Ils sont venus à la demi-douzaine pour découvrir de nouveaux morceaux.
Nous accueillons également beaucoup d'anciens musiciens, de membres de comités, et c'est toujours un plaisir de les revoir au concert d'abord, puis au souper de gala qui va suivre dans quelques heures. Enfin, merci à vous, parents, famille, amis, copines et copains d'amour, sponsors, annonceurs et membres soutiens, et encore amis musicaux. Pour renouveler sans cesse notre effectif, nos juniors sont formés par des moniteurs issus de la formation, et vous découvrirez en début de deuxième partie le morceau préparé spécialement pour vous par les juniors, qui sont pour l'instant super sages et assis tout devant. Si votre enfant ou une connaissance s'intéresse à débuter au sein de notre groupe, n'hésitez surtout pas, vous trouverez à l'intérieur du programme un bulletin d'inscription. Il y a pas de monitrices, tout ça, qui vont s'occuper, aucun souci. Après 3 années et demie aux juniors, arrive le moment de passer dans les actifs. Cette année, nous comptons 4 nouveaux actifs, il s'agit du baptême du feu. Je les invite à se lever et vous pouvez encourager Axel, Lucie et Hélène. Porter le costume si particulier des Armorins, vous l'avez peut-être remarqué en arrivant, un nouveau costume se tenait sur un mannequin à l'entrée de la salle. Et oui, grâce à tous ceux qui nous ont aidés à réunir la somme nécessaire, l'année 2018 sera l'année de notre nouveau costume et le dernier prototype livré il y a quelques jours ne nécessitera plus que quelques retouches avant de pouvoir ensuite équiper tous nos musiciens. Mais retour aux affaires musicales, je vous souhaite une bonne soirée en compagnie de notre showband et je vous laisse maintenant apprécier les morceaux que nous ont préparés nos musiciens, morceaux arrangés ou parfois même écrits par des membres du showband. Vous remarquez quand même le grand nombre d'instruments de percussion sur scène et nous ne demandons évidemment pas à tous nos percussionnistes de se déplacer avec tout ça lors de nos présentations. Je profite alors de remercier très sincèrement le Wingman Neuchâtelois pour nous avoir mis à disposition tous les instruments de percussion dont nous avons besoin pour vous proposer un concert percutant. Voilà, je laisse la parole à nos 3 présentateurs vedettes, Axel, Luc et Danilo. Tu fais quoi? Il est nul ton rythme. Mais c'était pour présenter le prochain morceau. Il s'appelle Trollin et a été composé par Thomas Schmitz. Ok, écoutons ça.
Guillaume, pourquoi tu utilises ton tapis magique qui marche pas? Oui, mais d'ailleurs, je l'ai acheté à un prix inestimable. Mais du coup, pourquoi il marche pas? Bah, je me suis fait arnaquer. Mais je pense qu'il faudrait que tu écoutes le prochain morceau, qui est le Medley Aladdin, et qui est arrangé par Océane Juno et par moi-même, et qui a comme soliste Cindy Moreira, Océane Juno, Mélie Donker et Raphaël Kraluka. Et après ça, je suis sûr qu'il va marcher. Thank you.
Dis donc, Luc, tu serais pas tenté pour partir en Afrique, toi? Mais pourquoi ce continent et pas un autre? Ben, je sais pas, j'aime bien ce continent, et comme par hasard, le prochain morceau s'appelle Africa. T'as bien fait, quoi. Oui. Du coup, le prochain morceau est Africa de Toto, arrangé par Benjamin Hirschi et Luc Egli, et avec Zaina Jiménez, Vanessa Antonio Pereira comme soliste. Le prochain morceau. Tu veux pas faire du théâtre? Non. Ok.
vous, le prochain morceau est Pirates des Caraïbes, composé par Hans Zimmer et Klaus Badelt, et arrangé par Mathias Roth. Et avec Thelma Lorenzo, Benjamin Hirschi, Cassandra Pouchard, Raphaël Grosjean-Luca, Sandra Macedo, Enea Bijota, Marina Lorenzo, Danilo Aglietta et Kylian Lichty comme soliste.
Alors... Tu vas faire quoi maintenant? Tu vas présenter le prochain morceau. Ok. Alors, tu veux vraiment que je le présente? C'est le but, ouais. Ok, alors le prochain morceau est Maria Undos Tres de Ricky Martin et arrangé par Tema Lorenco. Merci. Thank you.
Alors, le prochain morceau sera notre traditionnel Marche des Armoras, avec en soliste Maël Terzer, José Angelo, Raphaël Graluca, Tema Lorenzo, Claudia Lorenzo, Jenna Calderon et Yasmine Sheba. Thank you.
prochain morceau, parce que moi je n'ai aucune. Je sais pas, on pourrait dire que le prochain morceau c'est Bohemian Rhapsody, des Queen. Des Queen, déjà, merci. Et ensuite, on peut dire aussi que l'avant-chère c'est Thomas Schmidt, et dans ce lit il y a Yasmine Sheba, Maëlle Glozer, Cindy Moreira, Gina Calderon, Océane Gino. Mais après le morceau, vu qu'on a 20 minutes, on irait boire alors ? Ouais, c'est bien assez. Ouais, on pourrait même acheter le CD du concert. C'est une très bonne idée. Ouais. À tous.
Vous venez d'entendre le morceau Try Racing, joué par le très cher Junior, et qui est le morceau du film Zootopia, et qui a été arrangé par Yasmine Sheba et Zeina Jimenez, et Thomas Schultz, excusez-moi. Et le Belle d'Église, arrangé par Tessa Calderon et Benjamin Hirschi. Un grand merci à tous. Yeah.
Donc le prochain morceau est un morceau des Loituma. Alors le Loituma, il faut savoir, c'est un quatuor finlandais qui reprend des musiques traditionnelles. Je crois que c'est pas très intéressant ce que tu dis. Mais ça ferait pas de mal de cultiver un peu du salon. Non, non, ces personnes sont venues ici pour écouter de la musique. Ok, alors le prochain morceau est Yevan Polka, arrangé par Océane Juno. Voilà, merci. Thank you.
Thank you.
D'Ivoire, Luc, j'ai une petite question. Tu voudrais pas une petite pizza 4 saisons après ce morceau? C'est pas drôle. Ça fait parler les gens, ça. Bien sûr, regarde, ils viennent de rigoler. Non. Bon. Attends juste le prochain morceau et arrête-moi. D'accord. Bah, le prochain morceau est le morceau soliste des 4 saisons, composé par le très célèbre Vivaldi et arrangé par Benjamin Hirschi. Et avec comme soliste Thelma Lorenzo, Océane Juno, Vanessa Antunes Pereira et Benjamin Hirschi. Et Thomas Schinz et Tessa Calderon. Merci.
Donc on est bientôt à la fin du concert, il ne reste plus que quelques morceaux, comme par exemple le prochain, qui s'appelle... Voilà, comme ça il fera dodo pendant un petit moment. Oui, je pense que c'est mieux, hein. Mais du coup, c'est quoi le prochain morceau? Le prochain morceau sera Castle of Glass des Linkin Park. Attends, mais je parie qu'il serait arrangé par Thomas Sheets et avec en soliste Mike Lozère et Melinda Donker. Ouais, c'est ça! Thank you.
Et Axel, tu te réjouis de retourner à l'école ? Non, pas trop en fait, parce que à chaque fois que j'apprenais des choses à l'école, je me souvenais jamais de ce que j'avais appris. Mais ne t'inquiète pas, ça va très bien se passer. Surtout avec l'amour percu-vous qui vont nous faire une très belle démonstration. Ah, j'ai hâte de voir ça. Allons-y. Bonjour les enfants. Silence dans la classe, silence. Je vous présente le nouvel élève, Peter. Allô, je m'appelle Peter, j'ai 11 ans et je viens d'Allemagne. Merci Peter, tu peux aller à ta place. Première leçon de mathématiques. Qui peut me dire combien font 5 fois 7. 35. Jean. 3 fois 4. 12. Peter. 5 fois 6. Brian. T'as un petit peu de peine avec les maths. Alors j'en fais un simple. 2 fois 5.
là-haut, tu vas au coin. Rapidement. Ok, leçon de musique finie, ranger les instruments, géographie. Titouan, rattrape-toi. Quelle est la capitale de la Finlande? Paris. Non, c'est pas ça du tout. Kevin? Ouais. La capitale de la France? Ouais, je pensais la finir. C'est pas ça. Okay, Jean, Allemagne. Dis-moi quelle est la capitale de l'Allemagne. Brian, est-ce que tu m'entends? Faut que tu sois l'honneur de la classe. Dis-moi la capitale de la Suisse. Les différentes prestations et puis les différentes figures.
Et puis, on les remercie encore, on les applaudit tous, et puis je vais le prendre des petits rassets, puisqu'on va passer à la suite. Il est maintenant temps de prendre congé des quatre musiciens qui ont décidé de passer le flambeau aux plus jeunes. Ils sont déjà jeunes, mais c'est encore plus jeune. Et ils nous quitteront donc à la fin de cette soirée. Il finira dans quelques minutes son cinquième concert. Merci d'accueillir tout d'abord Matteo. Il s'agit maintenant de son septième concert. Je demande à Cindy de nous rejoindre. Pour son septième concert également... Ah, attendez, hop. Ça me sort toujours plus, ça. Ça va? Pour son septième concert également, j'appelle maintenant notre tambour major, Thelma. Alors, notre tambour major, il sort encore en plus. Et on va pas, ça va être compliqué, hein. Voilà, le tambour major en activité. Avec maintenant son 10e concert à son actif, notre tambour-major, Benjamin. Les Amourins désirent lui remettre un petit quelque chose pour lui dire un grand merci pour tout.
tout le travail effectué depuis si longtemps. Tous ensemble, ça aurait été chouette. Mais c'est complètement nul comme idée. Mais du coup, ok, donc le dernier morceau de ce concert est The Final Countdown par le groupe Europe, arrangé par Cindy Morera et Maxime Perso. Un soliste, Océane Junot et Johanna Dos Santos. Donc, on a été très ravis de vous accueillir ce soir et on espère vous revoir l'année prochaine et avec autant d'énergie. Et maintenant, c'est parti pour le grand final. Countdown!